Bonjour, bienvenue au Salesforce Live. Je suis Virginie Raymond, en charge des grands comptes sur la région Sud-Est. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Valérie Desvaux de la société Orchestra. Valérie, tu es directrice e-commerce du groupe Orchestra. Alors Orchestra, tout le monde connaît. C'est une enseigne qui a fêté ses 25 ans et qui est spécialisée dans le monde de l'enfant. Est-ce que tu pourrais nous dire comment vous avez abordé le digital chez Orchestra et à quelle période ? Alors d'abord, on a commencé à peu près en 2008 ou 2009 avec un site marchand qui était en full custom. Et en 2014, on est devenu client Salesforce sur la plateforme Commerce Cloud. L'étape d'après, ça a été quoi après le site e-commerce ? Alors après le site e-commerce, vers 2017, on a commencé à avoir des ambitions fortes en accélération sur la transformation digitale. Et la première étape, en fait, c'était de passer d'une organisation qui est complètement silotée, multicanale, à une organisation omnicanale. Jusqu'à présent, je pense que comme toutes les entreprises, on avait le web et le réseau de magasins physiques complètement à part, avec une perception assez négative du web par rapport aux magasins. Et donc là, l'idée, c'était de faire tomber les silos et de passer sur de l'omnicanalité. Donc l'omnicanalité, c'est au final mettre le client au centre de la stratégie du groupe. Donc, site e-commerce. Après, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi la deuxième étape ? Après, on a décidé de changer notre outil de marketing automation. Donc, on a pris Marketing Cloud. Mm-hmm. Et là encore, l'idée, c'était de dire que comme on passe en organisation omnicanale, on met le client au cœur de la stratégie. Donc, on veut passer d'une relation très générale, en fait, à une relation ultra personnalisée. Donc, on passe d'une relation one-to-few à one-to-one. Donc, chez nous, concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une segmentation basée sur un comportement majeur du client qui drive toutes les communications, à une valeur qui est calculée sur chacun des clients, sur chacun des rayons qu'il vient consommer. Et du coup, ça nous permet de lui adresser le message le plus pertinent qui soit au bon moment. Super. Je crois que vous avez mis en place aussi un OMS et ça vous a grandement aidé, il me semble. Oui, donc la mise en place de notre OMS en 2019 a été une étape très importante dans la transformation et dans l'accélération de la transformation omnicanal du groupe. Donc en fait, on a mis en place un système de ship from store, donc on unifie nos stocks. Donc on permet aux clients d'avoir l'exhaustivité des stocks Orchestra aussi bien en magasin qu'à l'entrepôt. Donc on peut servir la dernière poussette qui est au fin fond de la France à un client de Montpellier qui a envie d'avoir ce dernier modèle. Donc ensuite, on a une autre étape majeure dans la transformation, c'est l'équipement de nos magasins avec des tablettes vendeurs. Donc la tablette vendeur en magasin, elle permet deux choses. D'abord, de gérer les ruptures à la taille, ce qui nous arrive très souvent. Donc si un client ne trouve pas sa taille, le vendeur sort la tablette vendeur et lui propose de lui commander sur le stock de l'entrepôt la taille manquante. Il se la fait livrer soit en magasin, soit à domicile. Et ensuite, ça permet aussi à nos petits magasins, donc dans les petites zones de chalandise qui n'ont pas toute l'offre d'Orchestra, de pouvoir faire de l'extension de gamme. Donc du coup, là, finalement, vous avez mis en place les briques principales de l'omnicanalité. C'était en 2019. Oui. Et 2020 arrive le Covid. Donc comment vous avez vécu cette période-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors oui, donc en 2020, effectivement, le Covid et puis tous les confinements successifs nous ont quand même montré, malgré tout, la pertinence et de toute notre organisation et notamment avec la mise en place du Ship From Store. Donc pendant le premier confinement, alors que notre entrepôt était quasiment au ralenti, tous les magasins fermés, on était quasiment le seul acteur de l'enfant à continuer à avoir gardé les sites internet ouverts. Et donc en gros, on a ouvert 150 magasins en Ship From Store et on a distribué. On a servi tout ce qu'on a pu, tous les commandes de nos clients depuis nos 150 magasins. Donc il y a eu des jours où j'ai fait x10 en termes de trafic, x10 en termes de commandes. Donc il y a eu une émulation au niveau de l'entreprise autour de ce sujet-là. Il y a une dynamique de groupe qui s'est créée. On s'est tous transformés, donc soit en préparateur de commandes dans l'entrepôt, soit en agent du service client. Donc moi, j'ai passé mes soirées à répondre aux clients, à traquer des commandes pour savoir où elles étaient. Et donc c'était très fort humainement parlant cette période-là. Je crois que tu m'avais dit que vous avez fait en 3 mois l'équivalent d'un an de chiffre d'affaires. La plateforme Salesforce, elle a tenu le choc ? Oui, donc exactement. Donc en 3 mois, j'ai fait l'équivalent de mon chiffre d'affaires annuel. Donc j'ai parfois fait x10 en termes de trafic, en termes de commandes. On a perdu à peu près 100 millions d'euros avec nos magasins fermés. On a récupéré 20 millions d'euros avec le digital. Et pour autant, je ne me suis jamais posé la question de savoir si la plateforme tiendrait le choc. On n'a eu aucune interruption de service. Donc vraiment, ça a été la tranquillité pour moi de me dire que je pouvais faire x10 tous les jours. Et il n'y a eu aucun problème. Donc tranquillité grâce à la plateforme Salesforce. Pour autant, il y a eu un autre élément conjugué au Covid. C'est que
Orchestra a connu des changements significatifs. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur cette partie ? Oui, donc en juin 2020, on a recommencé, on a été racheté. On a recommencé une nouvelle société donc, qui s'appelle New York. Et les fondements de cette société, c'est le plaisir, la simplicité et la rentabilité. Donc on a mis en place une nouvelle stratégie. Et dans le cadre de cette nouvelle stratégie, on doit renforcer nos activités digitales, nos activités omnicanales, on doit faire mieux ce qu'on sait faire. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que le comportement des consommateurs ont changé, ont évolué. Je pense que les barrières de l'achat sur Internet ont été levées. Et du coup, j'ai à peu près 90% de mon trafic qui arrive du mobile. J'ai plus de 60% de mon chiffre d'affaires qui est généré par le mobile. Donc, je me dois d'avoir une expérience client mobile irréprochable. Alors, ce n'est pas le cas, mais on est en train de s'améliorer. Donc, le problème à l'heure actuelle, c'est que la plateforme est ultra customisée. Elle est vieille, elle date de 2014. Donc, j'ai une dette technique qui est très importante. Donc, dès que je veux faire une évolution, qu'elle soit mineure ou majeure, c'est soit chronophage, soit extrêmement coûteux. Donc, refondre tous mes parcours en responsive en mobile first, c'est quasiment impossible. Et ce, d'autant plus que mon autonomie sur le front est complètement limitée. Donc, c'est à ce moment-là où on a enclenché des discussions avec vous pour savoir comment on allait faire face à ce sujet-là. Vous nous avez proposé, du coup, de faire une refonte technique et fonctionnelle du front. Donc, cette refonte, elle a double vocation. Elle va me permettre de gagner en rentabilité parce que je vais réduire drastiquement mes dépenses de maintenance. Et les réductions de coûts de maintenance en fait, me permettent en fait, d'investir. Donc, mon CAPEX de projet de refonte est complètement absorbé par ces économies-là. Ensuite, ça me permet d'avoir des parcours qui seront complètement adaptés au mobile, donc mobile first, et de refaire toute mon expérience client. J'aimerais qu'on parle aussi un petit peu des collaborateurs. Cette période du Covid a amené encore plus de digital, de collaboration au niveau de l'équipe. D'après toi, qu'est-ce que le digital, ou quelle va être la perception maintenant des collaborateurs sur le digital, ou peut-être qu'à l'époque, comme tu disais, c'était assez siloté, il y avait des freins. C'est quoi maintenant l'état d'esprit des collaborateurs en magasin sur le digital ? Alors, j'ai presque envie de te dire que c'était un mal pour un bien, mais globalement, la vision du digital chez Orchestra et notamment par rapport au réseau a complètement changé. Et je pense qu'en magasin, ils ont pris la mesure de l'outil. Ils sont en train de plus vraiment voir ça comme le cannibale du réseau, mais plutôt comme un vrai levier complémentaire et surtout un axe très fort de drive to store, puisqu'on sait que 8 clients sur 10 passent par Internet avant d'aller acheter en magasin. Donc là, on est en train de mener toute une conduite du changement sur le sujet et de proposer aux magasins de s'approprier tous ces outils digitaux, toujours dans le but de satisfaire le client. Et Valérie, quels sont d'après toi les impacts forts sur les attentes des clients post-Covid ? Alors, les attentes des clients, en tout cas pour le cas précis d'Orchestra, ce qu'ils veulent voir, c'est les stocks en magasin. Donc, ils voudraient avoir la visibilité des stocks. Ils veulent plus de modes de livraison, donc notamment des livraisons plus rapides, des livraisons avec des tarifications différentes, moins onéreuses, gratuites, un peu moins chères, des points de livraison différents. Et ils veulent aussi des livraisons avec un impact écologique moindre. Donc, c'est tous ces axes-là qu'il faut qu'on travaille pour travailler des vraies méthodes de livraison qui soient à la hauteur des attentes des clients. Du service aussi peut-être complémentaire à apporter. Ce qu'ils veulent aussi, c'est d'avoir de la visibilité sur les produits. Ils veulent du conseil. Moi, je suis en train de mener dans ma stratégie de cette année, en fait, toute une stratégie de visibilité online. Mm-hmm. Donc, avec très fort référencement en puériculture. Donc, on est en train de s'améliorer fortement sur la partie SEO avec toutes les familles de produits avec des enjeux business importants comme la liste de naissance, les poussettes, les sièges auto. On met en place toute une stratégie de social media et de contenu aussi avec du blog, du conseil aux parents, des guides d'achat. Donc, c'est tout ça que le client veut venir voir sur Internet si ensuite il veut aller se rendre en magasin pour concrétiser avec le vendeur en magasin. Donc, on est mi-2021, votre stratégie digitale, vous accélérez, qu'est-ce que tu fais pour la suite ? Alors, bah oui, on va accélérer forcément. Donc là, on est à peu près à un peu moins de 10% du chiffre d'affaires groupe. Donc, on ambitionne de passer au 20% du chiffre d'affaires groupe dans les 3 prochaines années. Donc, l'idée, c'est de développer, d'améliorer les parcours omnicanaux et de développer tout ce qui est synergie entre les magasins et le digital. Donc, on commence à rentrer des notions de phygital dans notre stratégie groupe. Donc, le premier exemple qu'on peut avoir, c'est notamment la liste de naissance. Donc, tu sais qu'on a un service de liste de naissance. Oui, tout à fait. La femme enceinte est un élément de recrutement très important.
puisqu'on lui propose de l'accompagner, en fait, en ouvrant cette liste de naissance, de l'accompagner sur tous les produits de l'équipement de bébé. Et tu le sais comme moi, quand on est parent, surtout quand c'est le premier, on a vraiment envie d'être accompagné, on a besoin de conseils. Donc, l'idée, c'est de créer la synergie entre le digital et le fait d'ouvrir sa liste sur Internet et ensuite d'aller en magasin parce qu'on ne pourra jamais donner d'aussi bons conseils que nos vendeurs en magasin. Donc, on va essayer de maximiser les conseils en ligne. Mais l'idée, c'est aussi que je les envoie en magasin, en proposant des rendez-vous et pourquoi pas en proposant du visuel shopping ou pour conseiller les parents dans cette étape importante qui est comment préparer l'arrivée de bébé. C'est sûr. Et les prochaines étapes immédiates pour vous, ça va être quoi, justement ? Je pense que une des prochaines étapes sera le service client. Parce que pendant les confinements, on a, avec toutes les commandes qui ont été passées, donc tout n'a pas été rose, on a pris énormément de clients, de commandes. On n'a pas forcément pu toutes les servir de manière correcte. Donc c'est là qu'on a eu énormément de contacts clients et on s'est rendu compte que notre modèle de données, tous nos cadeaux d'interaction avec le client n'étaient pas forcément performants. Donc là, il faut qu'on s'améliore sur tous ces canaux de communication avec les clients. Donc l'idée, c'est de centraliser la donnée et de pouvoir répondre facilement à toutes les attentes des clients avec une plateforme uniformisée avec toute la data client. Donc très certainement qu'on regardera que sur Mar 360, voilà, sur tous les canaux. Les prochains business, les prochaines approches, qu'est-ce que vous imaginez comme nouvelles expériences pour vos clients demain ? Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons ? Alors, dans les cartons, il n'y a pas que de la technologie, il y a aussi du service. Donc, tu sais que notre modèle est basé sur un club, donc le Club Orchestra. Donc, le Club Orchestra a pour vocation d'aider les parents tout au long de la vie de leurs enfants, de leur faciliter la vie. Donc, ce club-là, en fait, donne des réductions toute l'année sur la puériculture et sur le textile. Mais maintenant, on veut rajouter une nouvelle dimension, donc on veut le rendre beaucoup plus serviciel. Donc, par exemple, sur la liste de naissance, on est en train de rajouter des nouveaux avantages, donc des offres de bienvenue, des bons d'achat de clôture qui peuvent aller jusqu'à 10% à la hauteur de la liste. Ensuite, on a sorti il y a 15 jours notre première plateforme de seconde main, donc qui s'appelle Orchestroc. Orchestroc. Exactement. Okay. Pour donner une seconde vie au produit Orchestra et à tout autre produit du monde de l'enfant. Ensuite, dans 15 jours, on va démarrer tout un système de cashback aussi. Donc, ça permettra aux clients, en allant acheter chez nos partenaires, de récupérer des bons d'achat, des cartes cadeaux Orchestra. Et ensuite, on noue aussi des partenariats avec des services pour faire garder les enfants, pour les anniversaires, pour les photos, etc. Donc, on noue tous ces services et on a encore pas mal de sujets qui arrivent dans les mois qui arrivent pour rendre ce club beaucoup plus serviciel et qu'il soit vraiment là pour aider et puis pour rendre la vie plus simple de tout le monde. Valérie, j'étais super ravie de t'avoir dans cette interview avec moi. Et franchement, au nom de toute l'équipe Salesforce, on est vraiment très, très content de ce partenariat avec vous. Et on vous souhaite surtout beaucoup, beaucoup de succès pour la suite. Merci encore, Valérie. Merci beaucoup, Virginie.